Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Crusader Kings 3 dans lequel nous jouons l'Empire français. On allait conquérir la Lotharingie, je crois. Ah, compagnie mercenaire dissoute, mais non, c'est pas le moment. Pas pile à ce moment-là, c'est quand même ballot ça, hein. Pour récupérer, voilà, un bon duché. Bon, toi, tu vas revenir. Toi, tu vas revenir. Toi, tu vas revenir. Merci, merci. Qui es-tu? Mais je vous reconnais, vous. Je vous connais, monsieur. Je vous connais très, très bien, même. On arrive, on arrive, on arrive. N'allez pas trop vite. Nous sommes bientôt là. Ouf. Oh bah c'est la reine en plus qui a pris la tête de leur troupe. Oh, oh ça va faire mal. Oh, 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 je suis peut-être légèrement fort. J'y suis peut-être allé pouilla fort. On voudrait pas que la reine y passe. Faudrait que je la capture. Oh, oh, oh ça passe. Ah oh, ça passe en un rien de temps. J'ai capturé la reine. Donc on a plus nos exigences. Ouah mais ça a été d'une vitesse. C'était une vitesse. Et boum. À moi le royaume de Lotharingie. Et d'abord il n'y a même plus de Lotharingie. Il n'y avait plus que la Bourgogne. On disperse tout. D'ailleurs, la Bourgogne est-elle... C'est un royaume. Ah, c'est toujours elle, la reine, ok. Alors. Eh bah... Oh, des titres peuvent être usurpés. C'est magnifique. Allez. On a quelques duchés à créer, les gars, avant. Le duché du bar. Le bar, le bar. Moi, je le connais très bien, le bar. Non, pas, il n'a pas assez. Qui es-tu? Le roi Julien de Lotharingie. Bah, tu vas devenir... comment ça? Comment ça, t'es roi? Ouais, bah, tu vas devenir duché de bar, allez. Garder un titre. Ok, duché de Bardan. Bardan, 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 Bardan. C'est au nord, c'est au nord, c'est au nord, c'est au nord. Donc genre on va le créer. La comtesse Cunigunde de Barban, Cunigunde de Barban. Hop. Tout dans ton nom, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus, c'est pratique. Duché de Luxembourg, Luxembourg, on va créer le titre, pareil, ça coûte cher tout ça, hein, purée. Et encore le roi Julien, non, le roi Julien de Lotharingie, oui, je m'en fous, au pire c'est mon gamin, donc. Accorder des titres. Duché de Luxembourg, hop là, tiens ce cadeau. Voyons voir. Ouais, pas grand chose à faire. Parfait tout ça. Magnifique, c'est magnifique ou c'est pas magnifique? Ah, je suis invité à une chasse, parfait. À pouvoir s'enjailler un peu, là. Vu l'activité en janvier, j'arrive en septembre. On va faire un petit tour, on va se balader un peu dans les environs, quand même, faut pas déconner. On pourra faire Auxerre, Orléans. Voilà, voilà. Voilà. Hop, allons à la chasse. Je peux mentionner des prisonniers. Le Jarl Ragnar. Il vient d'où lui? Chitfrise. Ah oui. Pour un hameçon. Lui aussi pour un hameçon. Ok, j'ai une revendication. Merde.
Bonus de santé moyen, oh oui. Bon, j'ai pas le temps de faire ma revendication sur le Navarre, voilà. On a bien grandi, hein, franchement, on a encore bien grandi là sans le faire exprès. Si, sans faisant totalement exprès. Mais hop, attentionné. On envoie des cadeaux bien meilleurs. Bavaroise. Non, non, c'est bon, j'ai donné déjà plein de l'eau. On est arrivé à leur chasse. Bon, je suis un petit peu en avance de 5 mois, c'est pas grave. Ah, 5 mois quand même. Et dans tous les cas, de toute façon, on va pouvoir revendiquer une partie de Venise, hein, dès qu'on sera de retour. On a les terres sur les côtes vénitiennes à aller chercher. Hein. Là, je suis vraiment dégoûté, par contre. J'ai perdu ma revendication. Sniff. Juste pour la foi, c'est dommage. Faudrait petit à petit récupérer les terres qui sont là. Un peu la flemme. Putain, je vais vérifier quelque chose. Parce que c'est vrai que je me suis fait quelques vassaux là. Et... Ouais, j'ai quelques vassaux supplémentaires plutôt. Ouais. Tous. République, tribu, féodalité. Ok, tous. Je peux pas voir par tribu, on va vérifier. Ok, république, ça devrait être bon aussi. Mais féodalité, ça... normalement, il n'y a pas de raison. Ok. Oh, c'est beau, on a un bel empire. Hein. Même l'empire de Khazari est plus petit que nous. Oh, l'empire arabe, c'est... Oui, il s'est bien cassé, hein. Ah, j'ai pété mes 81 ans. Allons-y, c'est un cerf, c'est pas grand-chose, un lapin. Des mini morceaux de Bourgogne aussi de là, on va aller tout récupérer là. Allez, c'est parti. Tenter une embuscade sur le petit cerf. Ouais, un grand royaume ici. La chasse échoue, comme d'hab. Oh, la Valachie, elle s'est faite bouffer par l'Empire byzantin. Vraiment? La petite fille, elle fait de la merde, là. Oh, t'es pas fort toi, donne-moi de l'argent. Les titres peuvent être usurpés, j'ai oublié. Royaume de Juliet, allez hop, usurpé. Royaume... Et pareil pour la Haute-Lorraine, vous pouvez usurper le jeu de Haute-Lorraine, usurper. Vous pouvez vassaliser la grande chefferesse de machin. Bon, on va le faire. Ça rajoutera toujours un peu de territoire. Hop là.
Merci à toi. Merci à toi de me proposer de nous rejoindre, comme ça, sans qu'on ait rien demandé. Trop de duché. Duché de Haute-Lorraine. J'y vois rien. On va voir. Orny de Trèves, c'est le comte Rogon de Trèves. Bah, il va devenir duc de Haute-Lorraine. Impec et duché de Juillet. C'est toi, comte Guillaume. Hop là, voilà. Ah, voilà, ça a de la gueule, ça. Ça a de la tronche, comme on dit chez nous. Ça a de la goule. Prochaine étape. Bonjour, bonjour. on vient pour... Comment ça, je parle pas le... Si, je parle la langue locale, d'accord. Vous pouvez payer la rançon pour votre vassal, le duc. Il veut pas, c'est ballot. Ah, c'est con, ça, hein. Allez, toi. Mes revendications sur la grande cité de Veneto. Hop. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Chantier, chantier, je m'appelle Teuse. Ah, ça c'est con ça. Je vais laisser une troupe juste ici au cas où pour prendre juste la cité de Mestre. Fabrice n'est plus votre maître, Carvenier. Oh. Voyons voir, est-ce que j'ai un maître Carvenier, pas quelqu'un qui peut le remplacer en étant bon? Excellent! Allez, c'est parti. Oh, ça coûte cher. C'est pas donné, 200. 200 pièces d'or pour l'embarcation, l'embarquement, je veux dire. Eh, mais... Bon, en attendant, on fait un siège là, c'est pas mal non plus. Prendre les terres au bord de Venise. Oh, 4200 troupes. Attends, toi là. Toi et. Toi. Vous allez là, le mec. Voilà. On va les attendre de pied ferme. Enfin, on va être en retard, mais c'est pas grave. Je pensais pas qu'ils auraient autant de troupes, honnêtement. Je vais même leur dire, eux là, vas-y, tout le monde là, viendez ma bande. J'ai besoin de 50 000 troupes là-bas. On va les écraser tranquillou, bilou. Bonjour, bonjour. Elle se dit, oh mince, il y a du monde. Ça craint du boudin. C'est Gifredo. Ouais. Belle victoire. On va aller par là. Et avec eux, on va fermer par là. Je pense qu'on en sera pas mal. Au pire, il ira dans les états pontificaux. Lui. Voilà, dans 7 mois, ça part, ça. Ok.
Oh, fortification 550, ouais, c'est bon ça. C'est vraiment pas mauvais du tout, hein. Ah, ça y est. Ils ont arrêté de courir. Blessé. On leur a fait mal. Hein. Ouf. Ouais. Encore une dernière victoire, je pense, et ça sera bon. Ah! Oh la vache! C'est qu'il en recrute, le salaud! Ah, j'ai pas vu du tout. Qui va tenir là, mais mes troupes à Venise vont pas pouvoir tenir. Il en a recruté une chie. Hein. Vous les gars là, à Venise vite. Faut que vous alliez à Venise le plus vite possible. On va diviser nos troupes en deux. Là j'ai une victoire heureusement. Ça dissout ou pas, j'ai l'impression. On va les choper avant qu'ils embarquent. On va être en retard. Allez là, on va être en retard. Là. Bon, après, on les bloquera et on aura la supériorité de main. C'est con, ça joue pas grand chose, mais. On va perdre. Ah, pas totalement. Ah, attendez. Faut choisir un tuteur. Lui, il est bien. C'est vrai qu'il est... Ouais. Allez, on a deux batailles en cours. Le corps du médecin de la cour augmente, c'est très bien, les gens m'en fout, m'en fout une pression contre les dissous, c'est bien. Éduquer un enfant, combattant ennemi capturé. Et là on va gagner aussi. Heureusement. On a capturé encore. On a une revendication sur le royaume du Navarre, on va bientôt... De Navarre, on va bientôt avoir une revendication sur l'entièreté de leur royaume. Il manque que la Navarre, hein, vraiment, c'est... J'ai réussi le siège en Veneto. Hop, on appuie nos exigences. Tiens, la grande cité de Veneto et la cité de Tioga. Et voilà, Venise n'est plus que sur sa petite province, on va dire. Je vais accorder ça à quelqu'un. J'ai pas quelqu'un de, on va dire, italien là dans le coin. Sardes, c'est peut-être le plus proche d'ici. Ils sont cisalpines, ok. Cisalpins, ah j'ai vu passer, mais je l'ai pas. Cisalpines. Roberto, sur la vassale de Veneto. Comte de Veneto. Une partie de tablier passionnant, oui. On va le passer assez vite. Nous sommes au coude à coude. Récemment, par temps public, c'était aussi facile que de vous battre. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien jouer au tablier de mon adversaire, pas de cachotterie. Ce jeu est tellement ardu. Nous sommes au coude à coude. Ce jeu s'approche rapidement de la fin.
Oui, comme prévu. Je gagne la partie. Bien joué, j'aimerais rejouer un jour. Bon, j'ai pas fait un bon score par moi. Ils vont valoir. Ils vont vouloir. Non, je peux même pas le donner à quelqu'un d'autre. C'est un duché spécifique, ça? Ah ouais, c'est le duché spécifique de Venise, ok. Bon, on a prononcé le serment enflammé pour tous les enfants de la cour, ceux qui ont apparemment été captivés pendant la lecture des écrits. Fille et vie semble maintenant certaine qu'elle se destine à de grandes choses et affirme haut et fort le soutien inconditionnel de Dieu. C'est bien l'ambition. C'est très bien l'ambition. Hop là. On va voir, j'ai toujours rien à récupérer là. Un comté, un comté, un comté et un. Ouais, un duché. Je me crée un, mais bon, pour l'instant, c'est pas fou. On va peut-être arranger un petit mariage. Oh, il est tout seul. Qui sont les héritiers? J'ai pas quelqu'un avec qui votre petite fille. Médecin de la cour, ah ouais. Non, bah pour l'instant. Vache. Avec le Danlow. Un Earldom, ok. Même Earldom. Un Earldom. Ah! Mon impératrice est enceinte. Parfait ça! Là, c'est un peu trop tôt encore, je crois. De toute façon, c'était pas ouf. Ah lui, il revendique l'ensemble de la... Navarre. Hein. Bah alors Noémie, tu fais des bêtises. Bravo hein. Partial. Je te félicite pas Noé hein. Ça pour le coup ça m'intéresse beaucoup hein. Alors on va récupérer ça hein. Récupérer ça poste de vacances. Ah putain. Bon lui moins pire de tous, c'est vraiment pas terrible hein, quand même Attendez, j'ai un truc qui n'a pas fonctionné. Ah. Excusez-moi, je suis en train de faire quelque chose. Hop, allez, on recrute nos troupes. Voilà. Je vais m'excuser pour cette petite interruption. Oula, 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 oula. Wow, il y a du monde qui vient l'aider, lui. Hein. Aucun problème, les gars, on est 20 000. Qui même me suivent. Vache, oh, il y a du monde. Ah oui, c'est parce que c'était déjà le bordel sur base. De base.
Ah, ça y est, le pape a enfin fondé un ordre hospitalier, c'est bien ça. J'y croyais plus, dit. Attends, mais j'ai pas que ça en troupe. J'en ai vraiment 22 000 là? Quatre, huit. Ouais, 20 000. Non. Ah, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, compter ducal. Mais pour de créer des duchés, des trucs de ci, de ça, ça me coûte cher. Bon, j'ai des interceptions à faire là. Excommunication. Ah ouais, non, bah non, non, non. Là, mon ami, tu vas finir en taule, toi. Il y a des choses que je veux bien gracier, mais une excommunication, je vais pas me mettre le papa devant. La femme d'Amazon, le duc Karel, a été accusé le duc Karel d'avoir une liaison extra-conjugale avec la princesse Béatrice. Ma petite fille! Oh. En tôle. T'en rends fou du monde en tôle. Ma petite fille, ma petite fille. Comment je peux faire un mélange comme ça? Bon, allez. Faut que j'en laisse un. Ici, pour prendre les terres. Les petites terres tranquillos. Je suis au moins 11%, mais attends. Comment ça? On va se donner rendez-vous ici, là on est un peu bloqué par les montagnes. Ah, une autre fille. Comment je vais l'appeler celle-là? Je vais l'appeler Louise. Ça se prend tranquillou, là ça se prend tranquillou aussi. Là ils vont arrêter, parce qu'ils disent que ça sent pas bon. Et ils ont bien raison. Parce que je vais les intercepter. Votre petite fille de garde peut se marier. Ah. À qui vas-tu te marier, toi? Une revendication sur le royaume de Bavière. Oh. Homme de Grande Moravie. Tu m'intéresses. Là, tu m'intéresses. Hop là. Bon, une petite bataille ici, ça va être... Je te fais gagner un bon mariage qui se fait. Je m'en fiche. Expiration d'une compagnie mercenaire. Ok, on a des prisonniers, plein de prisonniers, ça c'est cool. Là on leur fait bobo, comme on appelle ça dans le jargon. On leur refait bobo derrière.
Pas quelle idée. Ils sont venus comme ça, ils sont tiens au père. On va revenir se faire défoncer. Numéro 2 a blessé Andan. Andan. Il a été blessé mon chevalier. Ah, tant qu'il est pas mort, il peut repartir. Bon, je rigole. Allez, direction Burgos, on va essayer de reprendre notre terre quand même. Qui se fait occuper avant que j'ai pu dire bonjour, c'est pas de chance. Oh, le roi de Germanie a été excommunié. Oh, mais attends, mais c'est une occasion en or. C'est une occasion en or, ça, pour aller réclamer son royaume, non? Attends, il bouge pas, là? On va aller chercher. Hein. Bah oui, pourquoi il a pas bougé? Donc il est. Notre chevalier, le roi André, a été tué par Roucan. Oh! Mon petit-fils. Oh, notre chevalier était tué par le... Oh, la vache, il en a tué deux, lui. Bon, en même temps, des petits-fils, j'en ai un paquet. Hein. Arrière-petit-fils. Votre petit-fils, votre fils. Arrière-petit-fils, déjà. Oh, la vache. Administration, bienvenue au comté de Léon, ça me va. Il fuit avec pas mal de troupes, le salaud. Hein. J'ai pas de cavalerie ici. Ouais, j'en ai 183, et quand même. Ouais, j'ai perdu deux. Deux valeureux hommes. Deux hommes valeureux au choix. Ok. Atuleda, c'est fait. On va aller là-bas, c'est sa capitale. On va récupérer, normalement ça devrait tomber avant qu'il arrive. Non, peut-être pas. Ça devrait être kiff-kiff. Là c'est cassé, hein. Ça s'est cassé en plusieurs petits royaumes, là c'est vraiment parfait. On a capturé celui qu'il fallait. On appuie nos exigences. Hop. Bravo à toi. Et oula. Oh là, une chier. On peut créer le royaume de Navarre. Ah, usurper le royaume de Navarre, oui. Vassaliser le prince. Oh, attends. Vassaliser un prince, là? Oh, le chef de Gascogne. Ah bah oui! Parce que c'est plus Navarre, du coup. Et on va pouvoir récupérer enfin la Gascogne! Vassaliser la duchesse de... Ouais, allez, allez! Il est bien catholique. Eh bien catholique. Impeccable, regardez-moi cette conquête. Regardez-moi ça, on commence à enfin ne plus avoir des morceaux de ci de là. Là il y en a encore un, là il y en a encore quelques-uns de ci de là, mais vraiment... de mieux en mieux, payer la rançon... Oui. Bon, je suppose que j'ai pas mal de trucs à faire, vous pouvez transférer, oui. Vous pouvez créer le duché de bis machin, oui. Ça me coûte moins cher, ça fait du bien. Auto. Toi, tu vas prendre le duché. Et est-ce que le royaume de Navarre, je le fie à quelqu'un? Voir s'il n'y a pas un de mes gosses qui veut le royaume de Navarre. Parce que bon, là... J'ai 25 titres.
crois que c'est bon là, Empire d'Italie, Empire de France, Royaume de France, Royaume de Bretagne, Royaume d'Aquitaine, Royaume de Valence, Royaume de Romagne, Royaume de Croatie, etc. etc. Castille, Galice, Navarre, les duchés qui vont avec. Allez hop. Accordéa. Allez, j'ai pas un bon gamin là? Frère petit-fils, le comte Ansel d'Anjou. Allez, ce sera pour toi. Bon, tu vas me sortir de mon truc et c'est dommage parce que il me semble que tu étais. Non, t'avais pas de position spécifique. Ok, ça va. Hop, bah allez, toi, transférer le vassal. Voilà. Merci pour le remboursement de la taxe. Payer la rançon. Non. On va faire autre chose. Donc on a beaucoup de prisonniers. Hop. On va juste exiger les reconversions. Ils veulent pas assez, tant pis pour eux. Toi tu renonces à tes revendications. Toi tu n'es personne, je m'en fous. Toi tu n'es personne, je m'en fous. Toi non plus, toi non plus, toi non plus, toi non plus. Ah si, tu veux quelqu'un toi. Non, toi non plus. Toi on s'en fout, toi on s'en fout, toi on s'en fout. Allez, on va rançonner tout le reste. Tous ceux qui valent de l'or, on rançonne. Est arrivé à mon château, à tête d'une grande procession de diplomates habillés. Gardez l'or, votre amitié me suffit. Je suis riche, m'en fous. Ouah, ça c'est trop loin quand même. Hein. Et ouais. Bon, entre vassal, le prince, ouais. C'est pas grave. On le récupérera si jamais. Ils sont jeunes. Lui, il est jeune. Lui, ça peut aller. J'aimerais bien vassaliser la papauté, mais... Il risque de pas trop aimer parce qu'il est roi. Un roi évêque. Le haut allemand, bien, bien. C'est une très bonne initiative de ta part. Lui, je peux pas. Lui, je crois qu'il n'y a rien d'intéressant. Oh. Ça fait quoi ça? Le roi est déposé. Ouais, qui c'est qui prend la suite? C'est la Bavière. Non, c'est pas intéressant. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Ok, bon, ça c'est fait. Ça a été rapide. C'est un beau bordel quand même. Ah là, il y a un royaume qui a cassé. Oh vache, le nombre de duchés, de machins, des trucs, des bidules. Oh là. Oui, oui, ça va m'en rajouter, mais Empire byzantin. C'est pas intéressant.
Ah oui, bah j'ai récupéré l'entièreté du duché de Navarre. Une malédiction levée. Oh, il est mort, c'est bien. Apoplexie fatale. On dirait une onde d'attaque. Pokémon ou un truc comme ça. Il y a deux alliés, mais... Ah, Suède quand même. Ah, Suède... Ce ne sont pas les derniers, on va faire attention. Djerba, non, je m'en fous. Aller en Tunisie, moi. Merde, je reclique dessus comme un... Le roi de Germanie, c'était pas où? Ça, c'est où, ça? M'intéresse pas non plus. Chef, émir, chef, grand prince. Grand prince, c'est pareil, hein, c'est... ouais. Pour des pour un comté en plus. Chef de grande prince. C'est quoi la blague? Ils sont tellement faibles. En bohème. Il y a quoi à prendre en bohème? Ouais, mais... Bah non. Attends. Prince héritier. Pourquoi ils, tiens, ils veulent pas devenir. Ah, c'est un royaume. Ah ouais. En vrai. Vous avez véritable souverain. Oh, oui. Je parle la même langue, etc. Blabla. Ouais. Eh bah, c'est pas mal tout ça, hein. Vous savez quoi, je vais arrêter l'épisode sur ça pour aujourd'hui. On aura quand même vraiment bien grandi là. Vraiment, vraiment bien grandi. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve bientôt pour le prochain avec, j'espère, la conquête de la Bourgogne, hein, tout simplement. Je sais pas combien de temps on pourra relancer, mais... Quoi? Je l'ai plus? Ah, c'est là. 18 août. Non, 6 août 935. Allez, un an et demi. D'ici là, on va se préparer, on prendra la Bourgogne. Allez, je vous dis à très bientôt, c'était Thiob.